Des collèges d'artistes que, enfin, voilà, qui sont pour l'instant pas très connus. On en trouve de plus en plus dans le quartier. Bon, là, le mur vient d'être lavé en fait, donc il y a pas mal de. En tout cas, il y a beaucoup de supports qui vont être arrachés. Alors, juste attention à la voiture d'ailleurs. Ça sent ? Ça sent plus. Donc là, on est dans un travail assez original. Ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est que les techniques se développent dans l'art urbain. Là, on est sur le travail de Philippe Godeloc. C'est l'artiste qui a été invité pendant le Festival des Arts de la Bièvre en 2012, donc l'année dernière. L'œuvre a déjà un an, pas plus. Et il travaille tout le temps à partir de craie, il représente la plupart du temps des animaux. Et ce qui est intéressant avec son travail, c'est qu'il travaille à partir d'un petit carnet sur lequel il note des formes géométriques, des motifs, qu'il utilise en fait au fur et à mesure de son travail de création. Donc, voilà, il les incorpore au fur et à mesure dans son dessin pour... donner quelque chose quand même d'assez travaillé. Voilà. Et pour la petite histoire, juste avant de trouver cette œuvre sur ce mur, on avait déjà un hippopotame. C'était un hippopotame qui avait été dessiné par Mosco et associé. Et donc en clin d'œil à l'artiste, il a posé un nouvel hippopotame, cette fois-ci réalisé selon ses techniques. Qui était sur ce même mur, exactement au même endroit, et l'hippopotame faisait à peu près la même taille. En fait, comme la plupart des artistes, qu'ils soient graffeurs ou qui travaillent à la craie, ils réalisent un dessin en fait en petit format. Ah, quand même, pour avoir une idée. Et ils se basent sur ce dessin pour en faire l'agrandir visuellement. Voilà, ouais. Et donc à l'époque, en mars 2012, le célèbre dessinateur en fait Mobius venait de décéder. Donc c'est en hommage à lui en fait qu'il a réalisé ce travail comme c'est indiqué en fait sous sa signature. On va laisser passer le Mobius ou on va continuer par là? Thank you.
ça fait beaucoup de temps. Et d'abord, oui, elle est.